Pas de caméra, y a rien. Tu veux me speecher ta vidéo YouTube? Comment tu le fais? On discute là. J'ai toujours rêvé de créer du contenu, partager des émotions, vivre des belles choses. Jusqu'à maintenant, vous m'avez sûrement connu sur TikTok avec l'une de ces vidéos, mais au fond de moi, j'ai un rêve de gosse. J'ai toujours rêvé d'être bien professionnel et partager leur quotidien. J'ai eu une idée, pourquoi pas les affronter? Je vais partir à leur rencontre, jouer contre eux. Aujourd'hui, je pars à Bayonne et je vous emmène avec moi. Bon, c'est parti les gars. En tout cas, ça va être bien sympa. Bon, pour moi, c'est un peu bah, comme un rêve de gosse de pouvoir faire des trucs comme ça. Je suis passionné de rugby depuis que je suis tout petit et forcément, faire des concepts comme ça avec les personnes que je regardais à la télé ou quoi, bah franchement, c'est que du kiff, donc je pense qu'on va se régaler. Allez, c'est parti. Salut à tous, c'est Lucas. Donc, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est à Bayonne, à Jean Daugé. J'affronte Maxime Machenot dans le tir au but. On va faire un système de tour du monde en fait. On va commencer des 22 en coin. Si on met la pénalité en fait, on avance à l'étape d'après et c'est le premier qui arrivera au bout. Pour ce défi, le jeu est très simple. Nous allons commencer avec une première pénalité sur les 22 mètres tout à gauche. Si on marque cette pénalité, on accède au point suivant qui est 22 mètres face au poteau. Ainsi de suite, nous allons continuer le circuit. Le premier qui arrive au bout gagne la partie. Vous êtes prêts? C'est parti. Je vais faire un boulot au pied. On va commencer, non? Comme tu veux. Est-ce qu'on commencerait pas? C'est chaud, c'est bon. On va faire 22 en coin sur la ligne des 5. Si on passe, on se met 22 face. On va faire 22 points ici. D'accord. Et après, je pense qu'on rentre pas encore. On va taper nos deux si tu veux. Ça a commencé là? C'est bon là. Ça va, elle est bonne. Ça va dépendre de lui. S'il la passe, il va dire que ça a commencé. C'est incroyable en vrai. Première frappe dans le coin sur la ligne des 5. Oh, la stade est incroyable. C'est magique, hein. Oh, les ballons sont incroyables. Et trop mieux. Hein. On verra.
D'accord, donc je le mets juste parce que c'est dans mes cordes, les prochains, c'est compliqué. Faire du rab. Comment on va tenir ? C'est pas de mal ça. C'est bon, ce que je disais, c'est que la vitesse, autant ouais, je peux pas faire de rab parce que c'est. Ouais, si je me pète là. Tu peux tirer les oreilles. Ah, exactement. Donc le tir au but, je sais que je peux pas me péter. Je t'ai rattrapé. C'est une histoire du lièvre et de la tortue. Ouais, voilà, c'est ça. Je vous rappelle aussi une petite anecdote. Alex, il devait venir pour balayer le pot. D'accord. Il est pas venu, juste il est sorti la veille. Le matin, je l'ai appelé, il dormait. Pour ouais, c'est moche. Pour rétablir ce qui est quand même. Mais il ne sait pas ce que je dis. Ouais. Le mec, il assume pas. C'est où maintenant? Parce que là, la puissance, c'est pas mon truc, moi, tu sais. Sur les 15. Allez. Ah, je te dis, c'est costaud. C'est le devant. Alors, il va falloir forcer. Le doute qui vient de s'installer dans ma tête, je vais le faire partir. Prochaine IPA. Il va tout seul en fait. J'espère qu'il fait ses plans lui. Ah oui, il fait ses plans, il commande. J'ai pas eu. Comment tu l'as passé? Il s'est jamais sur l'appareil photo et du coup on n'a pas le. Mais c'est pas good, c'est la mec qui s'est endormi. Elle est passée. Ça va le match. Oh là là, c'est parfait. Ça va par le fond. Moi j'espère que ça va faire que.
top. Est-ce qu'elle serait passée, tu penses? Comme ça, tu diras que ça s'est joué sur le dernier coup de pied. Voilà. C'est vrai. Tu viens sur une vidéo, tu peux plus monter. Ouais. On a tout mis. On va te laisser en boucle à la première, à toi. Non, y'a pas match. Y'avait l'idée. Bien joué à toi. Défaite aujourd'hui. C'est bien. Ouais, j'aime pas. C'est bien, ça fait du tir au but et ça fait challenge. Je sais bien faire des concours. Je crois que j'ai commencé à prendre le but là-bas. Quand ah, t'es revenu quand même après. T'es revenu. Aïe. Ah, on dit, mais c'est bien de faire des trucs différents que tu fais habituellement au club tout le temps. Puis moi, comme je disais plus tôt dans la vidéo, c'est un kiff parce que je fais du rugby depuis que je suis tout petit. J'ai pas dit à mon père que je faisais ça. Ah oui. Je vais attendre de voir la. Je vais sortir la vidéo comme ça il va découvrir. Je te dis la prochaine fois que tu viens pour faire une autre vidéo sur. Tu veux de passe ou des trucs comme ça. Ouais, j'avais pensé à faire un truc de passe. C'est bien, ouais. Après, c'est bon. Sympa, les gens ils aiment bien, je pense. Toucher le poteau, c'est kiffant, c'est cool. Ouais, on a essayé d'être. Et moi, ça me fait du contenu aussi, tu vois. Ouais, je sais que c'est important de partager et surtout d'échanger. Ça, de partager. Ouais, Alex Lolo, qui est footballeur professionnel au Paris Saint-Germain en U19. Bon, là, il a fini Roquoise pour l'occasion, vu qu'il essaye le rugby, mais. J'essaye, on va voir ce qu'il donne aux pénalités. Comment tu mets un ballon sur un pot déjà? C'est droit ton ballon? C'est une tige, je crois. Ouais, tu non, mais il devait percer, mais tu sais, les croisés et tout. Ouais, compliqué, gros. Ouais.